Yo les gens, j'espère que ça va. En vrai, ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de haul, alors que ça me surprend de moi parce que j'adore faire ce genre de vidéos. Mes derniers achats, c'était surtout des chaussures, donc je n'avais pas trop l'intérêt de les montrer dans des hauls parce que ça aurait fait genre deux articles par vidéo, ça serait pas ouf. Mais récemment, j'ai acheté quand même pas mal de petites nouveautés niveau sap. En plus, c'est des trucs pas trop chers, donc je suis plutôt fier de moi. J'espère qu'ils vous plairont, en tout cas, moi je les surkiffe. C'est parti. Donc comme d'habitude, hein, je me décale pour vous montrer les articles sur le côté porté. On m'a fait des remarques, que ce soit sur les commentaires ou en vrai, comme quoi mes joggings étaient trop larges pour mon corps. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était pas complètement faux. Donc j'ai cherché à prendre des joggings plus ajustés, mais ce qui me pose problème avec les pantalons en général, c'est que comme j'ai des jambes longues mais fines, c'est difficile de trouver des bas qui ont le fit parfait. Donc qu'est-ce que j'ai fait, j'ai cherché sur Asos, j'ai directement cherché des joggings ajustés, voire très ajustés. Donc j'ai trouvé un jogging un peu rouge comme ça, il était à 14,49€ et j'en ai pris un autre en gris à 24,49€. Alors les deux, franchement, ils taillent archi bien. C'est pas trop serré, donc tu gardes l'effet du jogging, mais c'est quand même assez serré pour que ce soit pas considéré justement comme un truc trop serré pour ma morphologie. Je pense que serré et pas serré, ce qu'il faut, c'est qu'un jogging ça fit bien ton corps. Et là, je trouve que pour le coup, ça va bien et j'ai largement la place pour faire des mouvements de ouf, donc je peux faire du sport avec ces jogging là. Donc là, le color de celui-là, je surkiffe, et le gris aussi, c'est un gris un peu gris clair. C'est simple, hein, mais ça va avec plein de tenues du coup, parce que franchement, le gris clair, donnez-moi une seule couleur avec laquelle ça ne va pas. Il n'y en a pas, ça va avec tout. Les deux viennent de chez Asos. Ensuite, on a ce jogging que j'ai acheté sur Jean Industry. Alors, c'est un site que j'ai découvert sur Insta. C'est un jogging noir à bandes blanches sur les côtés. En fait, je kiffe ça, moi. Je trouve que ça apporte de l'originalité au pantalon. Par contre, lui, il est vraiment très, 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 très moulant. Il y a des petits zips, vous voyez, en bas, là. Moi, le plus souvent, je descends jusqu'en bas. Il m'a coûté 7,98€, donc c'est vraiment un truc que j'ai eu en promo. De base, il était vert. 35€ je crois, un truc comme ça. 35 ou 22, je sais plus, je me rappelle plus. Moi, c'est un des deux. Mais bon, tout ça pour dire que je l'ai eu à 7€, donc je suis trop fier. J'ai pris aussi toujours cette Jean Industry, ce petit bas là. Ce petit bas à carreaux que j'aime beaucoup avec une petite chaînette. C'est sympathique. C'est une matière un peu élastique. C'est pas une matière comme les pantalons qu'on porte d'habitude. Lui, il colle à la peau, genre, mais bon, moi, bon, ça me dérange pas. Bah, après, par contre, il faut assumer. Il est taillé 7/8, c'est-à-dire qu'il descend pas tout en bas, il descend jusqu'au niveau des mollets. J'aime beaucoup cet effet là. Donc, ouais, il m'a coûté 29,90€. Au début, je me disais que ça allait plus être un pantalon classe. Après, quand j'ai vu la chaînette, je me suis dit non, ça va plus être porté en street. Après, tu peux porter ça avec une petite chemise, des petites baskets blanches simples, ça passe très bien aussi. Tu peux aussi porter ça avec une paire de Air Max One, enfin une paire basse quoi. Enfin, en tout cas, t'as le choix avec ça. Donc la fille avec Jean Industry, après je me suis penché sur Bershka. Je voulais un pantalon un peu style militaire comme ça là, un peu cargo. Parce que c'est une coupe que je connaissais pas, et c'est ce qu'on m'a conseillé dans un de mes commentaires. On m'a dit, vu ta morphologie, les pantalons cargo ça rendrait grave bien. Et je suis agréablement surpris du rendu. Pour moi, c'est difficile de sortir de ma zone de confort en fait. La coupe cargo ça m'intéressait pas trop, et j'avais un peu peur de tester parce que je voulais pas être ridicule dedans quoi. Et au final, celui-là il est cargo, c'est-à-dire qu'il est un peu large, mais pas trop. Il est resserré en bas, lui aussi il a une petite chaînette. C'est très très beau, moi j'adore cet effet là. Donc franchement, ce pantalon j'en suis vraiment fan. Tu mets ça avec des chaussures blanches ou des chaussures noires, et tu mets un haut de couleur au-dessus, ça rend grave bien. Moi j'adore. Ou même un haut noir, ça rend très bien aussi. Donc comme je disais, je l'ai acheté chez Bershka pour 29,90€ environ. Ensuite, bon, c'est ce sweat rose que j'ai acheté chez Asos. Donc c'est... Bah, je voulais vraiment essayer le rose. Pour moi, le rose, c'est sous-côté. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle couleur. Et j'ai pris en oversize parce que je voulais vraiment un sweat oversize aussi. Et je suis vraiment pas déçu du résultat. C'est... Non, vraiment, je suis content, je me sens à l'aise dedans. Donc vous connaissez les trucs chez Asos, c'est jamais bien cher, mais c'est plutôt qualitatif. Et je l'ai eu à 17,99€. Il est nickel. Donc on a fini pour les vêtements à proprement parler. Maintenant, c'est plus des accessoires. Donc cette casquette orange, enfin que je pensais orange, mais finalement, elle est plus fluo qu'autre chose. Les oranges fluo, bon, ça me dérange pas. Mais je m'y attendais pas. Je l'ai acheté chez Asos pour 19,99€. Je me dis qu'en été, ça peut vraiment bien passer si t'as une tenue sobre. Mais c'est pas trop mon genre de mettre des tenues sobres en été, mais ça peut apporter la petite touche de couleur, la petite touche de peps qui est bienvenue, qu'on aime tous. Et je suis aussi à fond sur les bandanas en ce moment, donc j'en ai acheté 3. J'en ai acheté un noir, un rouge. Un rouge à motif comme ça, et un blanc aussi à motif comme ça. J'aime vraiment beaucoup les 3. En vrai, je pense que c'est le rouge. Après le noir, après le blanc. Parce que en fait, le blanc, je m'attendais pas à ce que les motifs soient aussi foncés. Bon, c'est pas grave, ça rend quand même bien. Donc ouais, maintenant j'intègre souvent les bandanas à mi-tenue. J'aime beaucoup le rendu, je suis fier. C'est un autre style, un autre truc que je peux mettre sur ma tête, et j'aime bien mettre des trucs sur ma tête. Le 3 était autour de 8€ sur Asos. Et enfin, alors là, grosse révélation en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo sur les tendances que je n'aimais pas du tout. Et j'avais dit que j'aimais pas les pantalons courts avec les chaussettes remontées jusqu'en... Alors la deuxième mode, les bas courts, donc soit avec des revers, soit comme les miens, genre avec des jogger pants. Enfin bref, que ça arrive au niveau de la cheville. Donc il y a une démarcation entre ton pantalon et ta cheville, et ceux qui remontent les chaussettes jusqu'au niveau de la démarcation. Ça j'ai jamais compris, ça met rien en valeur, ça met... En fait ça met en valeur la chaussette. Donc, en fait, j'ai vu pas mal de tenues récemment là, et je commence à aimer. Donc je retire ce que j'ai dit. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Je ne suis pas idiot. Donc j'ai acheté 3 autres chaussettes montantes. Donc une bleue, une jaune et une rose. Enfin rose un peu mauve. Donc là je vous montre dans l'aperçu les façons que j'ai de les porter. Je suis fan. Maintenant je suis fan. C'était très radical, très rapide, très brusque, très brutal, tout ce que vous voulez. Mais
je suis fan maintenant, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais surtout les utiliser en hiver parce que là c'est pas du tout la saison pour porter des chaussettes montantes, il faudrait être malade. J'ai juste pas envie de mourir de chaud en fait. Je les ai achetés par 3, donc c'était sur Celio. Ils avaient un prix spécial de 9,99€ pour 3, donc j'étais content. À peine 10€ pour 3 paires de chaussettes. Je me dis que j'ai fait une bonne affaire. Donc voilà les gens, la vidéo est terminée. J'espère que les articles vous auront plu ou vous auront au moins donné de l'inspiration. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À me suivre sur mes réseaux, de toute façon je le dis à chaque vidéo. Portez-vous bien. Tchuss.